tout le monde aime ce film, plus que 3000. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs moments d'Avengers Endgame. Pour cette liste, on va passer en revue les moments qui ont fait de ce film l'une, si ce n'est l'œuvre, la plus forte, émotionnellement captivante et épique du MCU. C'était fun. C'était fun. Je lancerai bien une alerte spoiler, mais comme il s'agit du film le plus rentable de l'année, je pense que si vous tombez sur cette vidéo, vous avez déjà vu le film, non ? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine. Hot Tub Time Machine. Numéro 10, la famille d'œil de faucon. You see where you're going? Mm-hmm. Okay. Now let's worry about how you get there. Comme Clint Barton était absent dans Infinity War, il retrouve enfin une place centrale dans la scène d'ouverture d'Endgame. Depuis l'ère d'Ultron, on sentait que la famille de Barton allait vivre une tragédie. You know, I totally support your avenging. I couldn't be prouder. Surtout quand Thanos a claqué des doigts. Et nos pires craintes se sont confirmées dans cette terrible intro, alors qu'on voit la famille Barton faire un pique-nique tandis que Clint apprend à sa fille l'art du tir à l'arc. Si Clint semble être prêt à passer son arc à la prochaine génération, son monde part en poussière lorsque sa famille disparaît. La confusion, la panique et l'angoisse que vit Clint donnent parfaitement le ton du premier acte du film et nous rappellent que nos héros ont déjà tout perdu. Babe! Boys! Boys! Numéro 9, le sacrifice de la veuve noire. But the raccoon didn't have to climb a mountain. Technically, he's not a raccoon, you know. Oh, whatever, he eats garbage. Après avoir perdu sa famille et s'être détourné du droit chemin, Clint est prêt à se sacrifier pour obtenir la pierre d'âme sur Vormir. Mais si l'inversion du claquement de doigts marche, Natasha Romanoff sait que la famille de Clint aura besoin de lui. The last 5 years, I've been trying to do one thing, get to right here. That's all it's been about, bringing everybody back. On abuse souvent du terme suspense à tort et à travers, mais ici c'est vraiment le meilleur terme pour décrire cette scène, alors que Clint et Natasha tentent de sauter de la falaise. Tell my family I love them. You tell yourself. À chaque fois que l'un d'entre eux avance, l'autre le ou la retient et prend à nouveau le dessus. Même quand Clint saute, Natasha parvient à le dépasser. Et alors qu'ils pendent tous les deux dans le vide, elle force Clint à la lâcher. Please no. Son destin est aussi tragique qu'héroïque. Numéro 8, Captain Marvel et les renforts. Hi, I'm Peter Parker. Hey Peter Parker, you got something for me? Si la veuve noire est partie, le MCU n'est pas dépourvu d'héroïnes badass pour autant. Quand Captain Marvel traverse le vaisseau de Thanos, Peter Parker a hâte de lui remettre le gant. Des tonnes d'ennemis se profilent à l'horizon, mais Carol va chercher presque toutes les héroïnes du MCU pour l'aider. Don't worry. She's got help. D'accord, les personnages arrivent toujours pile au bon moment, c'est plutôt chanceux. Mais franchement, ça donne un plan de groupe tellement cool et puissant que ça serait malhonnête de se plaindre. De la sorcière rouge à Gamora en passant par Valkyrie, chaque héroïne apporte sa pierre à l'édifice et offre un plan qu'on voit rarement. Ouais, la scène a beau être brève, elle claque quand même. Numéro 7, vise la tête. Avec Endgame, les frères Russo ont réussi à surpasser nos attentes et à nous surprendre au passage. Si Endgame offre effectivement l'affrontement final qu'on attendait contre Thanos, le premier acte est assez subversif pour que les fans doutent de leur théorie. Let's go get this son of a bitch. Après moins d'une demi-heure, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie retrouvent un Thanos fragilisé. À la surprise de tout le monde, le Titan fou révèle qu'il a détruit les pierres de l'infini. He used the stones to destroy the stones. It nearly killed me. Du coup, il semble impossible pour eux d'inverser les dégâts qui ont été faits. I am inevitable. Thanos ne regrette rien à part peut-être d'avoir été trop dur avec Nebula par le passé, éventuellement. Et avant qu'il ne puisse se lamenter davantage, Thor lui coupe la parole et vise la tête cette fois-ci. Mais ni Thanos ni nous ne l'avions vu venir. What did you do? I went for that. Numéro 6, Captain contre Captain. That is America's ass. Endgame a beaucoup de choses en commun avec Retour vers le futur 2. Our only chance to repair the present is in the past, at the point where the timeline skewed into this tangent. Ouais, ouais. Bah, ouais. Pas mal d'Avengers se retapent la bataille de New York. I think it's gratuitous, but whatever. Mais
si, il y a un rapprochement. En tout cas, ça donne lieu à de nombreuses interactions et retours, mais dans l'un des meilleurs moments, Steve Rogers affronte sa version passée. Comme Loki a pris son apparence juste avant. On my way down to coordinate search and rescue. On my way down to coordinate search and rescue. I mean, honestly, how do you keep your food? Shut up. Le capitaine de 2012 pense qu'il a en face de lui le dieu de la discorde, et donc le capitaine moderne n'a pas de choix, il doit l'affronter, et ils sont à égalité forcément. I can do this all day. Yeah, I know. I know. Comme on pouvait s'y attendre. Si leur confrontation est très bien chorégraphiée, c'est surtout l'humour qui s'en dégage qui nous plaît, digne d'une des aventures de Marty McFly et du Doc Brown. Mais le moment le plus drôle et applaudi, c'est quand le capitaine moderne parle de Bucky pour avoir l'avantage. Bucky is alive. Numéro 5, il a fait de son mieux. No amount of money ever bought a second of time. Smart guy. Did his best. En revenant en 2013, Thor partage des retrouvailles précieuses avec sa mère. I love you, Mom. I love you. Ce qui donne à sa mort dans le monde des ténèbres un poids émotionnel bien plus important. Si cette scène est puissante, la réunion de Tony Stark avec son père en 1970 est encore plus forte. Dans Civil War, Tony réfléchit à sa relation difficile avec Howard et au fait qu'il aurait aimé pouvoir changer leur dernière conversation. It doesn't change the fact that they never made it to the airport or all the things I did to avoid processing my grief. Et bim, cette mission lui offre enfin une chance de pouvoir réécrire leur échange sans révéler qui il est pour autant. Get a name? Howard. Well, that'll be easy to remember. Howard. Tony fait enfin la paix avec son père, et maintenant que Tony est lui aussi papa, il comprend qu'il a plus de points communs avec Howard qu'il ne le pensait. I have a little girl. A girl would be nice. Less of a chance she turned out exactly like me. What'd be so awful about that? Et puis, c'est toujours bon de revoir le loyal Edwin Jarvis. Numéro 4, le passage du bouclier. How's it feel? Like it's someone else's. Tony n'est pas le seul à retrouver un être aimé en 1970. Après avoir vu Peggy Carter à travers une fenêtre, Steve décide de prendre quelques particules de PIM supplémentaires. Après avoir rendu les gemmes de l'infini et Mjolnir une fois la guerre terminée, Steve prend sa retraite avec la femme qu'il aime au lieu de revenir en 2023. Il finit par retrouver ses amis, même s'il est à présent un vieil homme prêt à passer son bouclier. L'héritage de Captain America est loin de prendre fin puisque Steve choisit Sam comme successeur, qui accepte cet honneur. Et même s'il ne raconte pas la vie qu'il a vécue, on a droit à un aperçu de la réunion de Steve avec Peggy, un moment touchant tandis que les deux amoureux partagent enfin une danse. Numéro 3, Avengers Rassemblement. Le MCU a réussi à créer plus de 20 films sans qu'aucun personnage ne dise Avengers Rassemblement. Avengers. Si Marvel conservait cette réplique culte pour une occasion spéciale, ils ont choisi le moment idéal. Captain America était prêt à charger dans un combat perdu d'avance avant d'entendre une voix et des paroles familières. Captain Sam, can you hear me? On your left. Voir T'Challa, Shuri et Okoye émerger du portail était déjà digne d'une salle d'applaudissements. La scène est de plus en plus géniale puisque d'autres portails s'ouvrent et permettent le retour de plusieurs héros disparus, et quelques-uns qui n'étaient pas présents depuis un moment. Is that everyone? What do you want it more? Avec tout ce beau monde, le Cap dit les deux mots qu'on attendait tous. Avengers! Assemble. Ainsi s'ensuit un combat final génial et plein d'action et de héros appréciés. Numéro 2, je le savais. Quand le capitaine manque de soulever Mjolnir dans l'ère d'Ultron, beaucoup d'entre nous ont imaginé qu'il s'agissait d'un gag qui ne serait plus jamais abordé. Surtout qu'Ella a depuis détruit le marteau de son frère dans Ragnarok. Même quand Thor retrouve temporairement Mjolnir lors de son voyage en 2013, on ne s'attendait pas à voir un autre guerrier soulever cette arme divine. Lors d'une réunion avec Thanos, cependant, Thor est presque vaincu par sa propre hache. Alors que Mjolnir se soulève du sol, on se rend compte que ce n'est pas Thor qui l'invoque, mais un autre Avengers digne de ses pouvoirs. Avec son bouclier dans une main et Mjolnir dans l'autre, Steve apprend à Thanos que ce n'est pas l'arme qui fait le héros, mais bien l'inverse. Waouh! I knew it! Un autre moment super cool, c'est quand il parle de différents films sur le voyage dans le temps, même si on n'est pas forcément d'accord avec la remarque d'Ant-Man sur Retour vers le futur. Which can't now be changed by your new future. Exactly. So back
to the Future is a bunch of bullshit. Bon, je vais pas vous mentir et vous faire croire qu'on a mis un truc original. Damn. Bruce. Tout le monde sait ce qu'on a mis en numéro 1. Mais avant de parler de ce moment épique, voyons quelques mentions honorables. Oh my god! Oh my god, it's so good to see you! Cassie. Sorry, Cap. We can't give you the subject. I'm gonna have to call the director. That's okay. Trust me. On arrive presque à la fin. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, le destin d'Iron Man. Le MCU démarque lorsque Tony Stark révèle son identité au monde. I am Iron Man. On n'aurait donc pas imaginé une meilleure fin au règne de Thanos que ces mêmes mots prononcés par Tony. Croyez-le ou non, ce rappel de la réplique emblématique de Tony a été ajouté à la dernière seconde. Et si Tony efface Thanos et ses armées de l'existence, porter le gant lui coûte aussi la vie. Tony rassemble alors le peu de force qui lui reste pour dire adieu à ses amis et alliés, tandis que Pepper lui donne la permission de se reposer. We're gonna be okay. You can rest now. Alors que ses proches se rassemblent à son enterrement, on se rappelle que Tony Stark avait non seulement un cœur, mais qu'il était aussi l'essence des trois premières phases du MCU. I love you 3000. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.